Pas de légumes, pas de fruits, mais des écrans géants et une superbe ambiance football au nouveau carreau des producteurs de Pau. Petits et grands, supporters du Pau FC ou du PSG, ces 1300 spectateurs ne sont pas au stade du Hameau, mais vivent intensément ce beau moment de sport dans un lieu que beaucoup découvrent. C'est super sympa, ouais. C'est super sympa. Qu'est-ce qui est bien ? La convivialité, la chaleur, tout le monde regarde au match, personne ne dérange personne, on passe un bon moment quoi. Premier but de Paris, Sylvia Goncalves explose de joie. Parisienne, elle habite Pau depuis 3 ans. Monsieur, on est un peu en difficulté parce que Pau s'y joue bien. Donc voilà, mais on verra à la fin du match. À la mi-temps, les associations ont sorti le grand jeu. Tout ce qui a été préparé par les parents des licenciés de l'Académie Football Club du Hameau. Beignets, crêpes marocaines, boissons, de quoi financer le voyage de fin d'année. C'est très très bien, c'est convivial, il y a du monde, il y a de la mixité, il y a des joueurs de foot, des personnes âgées, c'est super. Deuxième but du PSG, mais les supporters palois sont fiers du parcours des jaunes et bleus en Coupe de France. Je suis content de cette équipe paloise prendre 2 buts contre les champions de France, chapeau. Elle peut aller en Ligue 2. Pas de débordement, de la convivialité et une belle réussite populaire, le carreau des producteurs valide sa version fanzone.